bananas. 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 Bananas.
Salut à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau jeu. Ça y est, on l'a annoncé il y a quelques temps déjà, mais on va se faire le petit Birth by Sleep tout de suite. Tout de suite le jeu ainsi que le son. Ah là là, ça y est, cette magnifique OST. Je suis un grand fan de l'OST de Kingdom Hearts. Donc, je pense que vous allez m'entendre m'extasier un certain nombre de fois sur l'OST. Allez, tout de suite, on est parti. Birth by Sleep. Salut Tori, comment tu vas? Et oui, ça y est, c'est Birth by Sleep, on le lance enfin. Salut Python! Et là qui va là, c'est l'inspecteur Python. Comment vous allez les gars? Ça roule, écoute. Ça roule. Petite scène, petite cutscene. Je vais me mute pendant la scène. Salut Loulou, comment tu vas? Ça va, écoute, merci. Ouais, je confirme, Python, hein, les musiques de Kingdom Hearts, c'est de la folie. Gros fan des OST de Kingdom Hearts en général. D'ailleurs, pour la petite info, cet après-midi, je viens d'obtenir le trophée de platine de Melody of Memory. Donc, je trouve que c'est le timing parfait pour enchaîner sur Birth by Sleep. Merci bien. Et on est parti, hein. Ah,
pas faire un mode. Je sais pas quelle est la différence. Se met en mode expert peut-être? Je me rends pas compte de la difficulté. Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier? Bon, le mode critique, on va éviter. Je me tape pas mal en vrai, hein. Kingdom Hearts 3, je l'avais fait en difficile, je crois. Ouais, allez, on va partir sur expert, on verra bien. On va se respecter un peu. Ok. Bah, je vous fais confiance, les gars. Après, ouais, j'ai quand même fini le 1, le 2, le 3 en hard. Je devrais quand même pouvoir m'en sortir. On refait la cinématique. Allez, deux fois. Sacré Vanitas. Une bonne petite classe, lui, hein. Terra, c'est un BG, ouais. À quoi aussi À quoi elle est BG? Xehanort, il est BG. Donald, il est. J'avoue que Donald. Surtout Donald dans le monde de la petite sirène. Bah deux fois d'affilée, c'est quand même stylé, hein. Oh, ça va, je m'attendais à ce que ça pique un peu plus les yeux que ça. Mais ça va. This world is just too small. Ça marche, Tori. Des bisous, merci d'être passé en tout cas. Attends, c'est Xehanort là?
You see, an empty world, like a prison. I imagine you will be right at home. Moi, je me délecte d'avance, hein, Tori. Soyons francs, là, j'ai très hâte de jouer. Who's there? Allez, petit tour par la salle de l'éveil. Il a plutôt été pas mal relifté, hein. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire que ça, quoi. But this is... Why are you in my heart? Yeah. That was my light. But my heart is fractured. And now, the little I have left is slipping away. Dans cet opus, je crois que tu joues à quoi? Open the door. Ou Ventus, peut-être? Mais tu joues pas Sora en fait. Ça se passe avant Kingdom Hearts 1. 10 ans avant Kingdom Hearts 1. Et ça, c'est Ventus. C'est Xehanort, on le reconnaît, même si on voit pas trop sa tête, sa démarche. Bah, j'ai fait comme toi, Python. J'ai fait que le 1, 2, 3. C'est pour ça, là, je vais rattraper mon retard. J'ai pris la collection. The Story So Far, et il y a tous les épisodes jusqu'au 3. Salut Momo! Comment tu vas? C'est parfait, Python, comme ça on va en apprendre davantage ensemble. Parce que moi c'est pareil, hein. Vraiment. Je ne connais les informations de ces épisodes que via Kingdom Hearts 3 et les quelques vidéos YouTube que j'ai regardées pour essayer de comprendre le scénario. Scénario qui est malheureusement incompréhensible, étant donné que même les scénaristes ne le comprennent pas, je pense. Mais ça va, ça va, ça va, ça va, merci. On découvre Birth by Sleep.
première fois que je le fais. A meteor shower. Kingdom Hearts, ça te dit quelque chose? Si ça te dit quelque chose, il y a eu trois épisodes principaux de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 1 et 2 qui sont sortis sur PS2. Kingdom Hearts 3 qui est sorti sur PS4. Et Birth by Sleep, c'est un épisode annexe qui est sorti sur PSP, lui, et qui se passe avant Kingdom Hearts 1. Pin, pin, pin. Pin, 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 pin. Cette musique-là, elle est dans Melody of Memory. Contrairement à la musique d'intro du jeu, qui n'y est pas. Donc j'imagine qu'on va jouer Ventus. D'accord, j'ai marché, courir, caméra, sauter. Ok. Ben. Pain, pain. Non, je pense que Momo disait non par rapport au fait qu'il connaissait pas. Ah bah c'est un style qui est un style de jeu qui est quand même assez particulier. Hein, c'est... I've got time to spare. Ok. Alors vous obtenez des récompenses en battant des ennemis en frappant les éléments du terrain. Les sphères vertes renferment des HP et les jaunes des munises. Ta-da. Alors, votre jeu de commande contient les techniques spéciales, L2, R2 pour en choisir une, et triangle pour l'utiliser quand la jauge est remplie. What? You want a piece of me too? D'accord. Verrouiller les cibles pour que la caméra suive automatiquement. Ça, c'est bien ça. R1. Une fois que vous avez verrouillé une cible, vous pouvez en changer avec L1. Appuyez sur R1 pour quitter le mode de verrouillage. Nice. Gotcha. Ok, une attaque à distance. Ok, ça c'est une... Je fais des tests, hein. Allô? Vous avez trouvé la commande stock glissé. Appuyez sur option pour voir le menu principal et installer dans le JDC. Très bien.
Wait, what am I messing around here for? I'm gonna miss the meteor shower. Alors, placez les commandes dans votre JDC pour pouvoir les utiliser. Choisissez éditer le JDC. Vous pouvez placer différents types de commandes, telles que des commandes de combat et des commandes d'action. Ok. On va accéder rapidement. Une commande crée un raccourci avec carré. Qui est en jaune. D'accord. Les commandes s'améliorent en augmentant en puissance à mesure que vous gagnez des PC. Très bien. Battez les ennemis pour gagner les PC. Les commandes au maximum sont indiquées par une couronne. Ok. Capacité auto obtenue. Coup éclair rapide à atteindre le niveau maximum. Vous pouvez conserver sa capacité scan. Capacité auto fonctionne même si elles ne sont pas placées dans votre JDC. Très bien. C'est pas clair, mais ok. Et je peux pas en mettre une de plus. Il y a un truc que je piche pas. Les capacités sont des techniques bonus liées aux commandes. Placez la commande pour activer sa capacité. Ça améliore vos statistiques ou donne accès à des techniques spéciales. Ok. Et une nouvelle capacité en ajoutant des objets de synthèse au mixage de commandes. Auto sont permanentes et vous n'avez donc pas à les placer dans votre JDC. Donnez une capacité auto en améliorant une commande jusqu'à son niveau maximum. Ok. Donc là, ça veut dire que j'ai scan. Effectivement, affiche les PV d'un ennemi visé. D'accord, ok. Très bien. Ça m'a un peu fait mal à la tête, mais très bien. On va mettre ça. Mixage. Pour créer des nouvelles commandes, mixez en deux. Quand on a mixé, ils doivent avoir atteint un niveau suffisant. Un objet de synthèse pour ajouter une capacité à la commande. Et moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Ça, c'est Fabien qui arrive. Ça va, Ebi? Lui, je peux pas le prendre. Comment ça? Lui non plus. Lui non plus. Parfait. Je ne peux rien prendre. Et ben. Grâce. C'est certaines conditions pour améliorer votre coup de grâce. Le coup de grâce peut s'améliorer de différentes façons selon les conditions remplies. Très bien. Utilisez l'écran de coup de grâce pour changer de commande ou renommer certaines. Eh ben ça va et toi? Le jeu me fait un peu mal à la tête là. Ok. Capacité j'ai fait. Les stats c'est les stats hein, pas s'emmerder. Ta-da.
Elle est cool, la zik. Ok. Wow. Wow. Why does it seem so familiar? Whoa! Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Hmm. Well, they say that every star up there is another world. Huh? Oh. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. Well, in other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now! You're too young to know now. Quit treating me like a kid! Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Huh? Énorme. Oh, yeah. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charms shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells, but I did the best with what I had. Oi, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well, that's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. Ok, un des trois portes bonheur fabriqué par Aqua pour ses amis et elle la veille de l'examen du symbole de maîtrise. Empruntez les pouvoirs de vos amis. L'éclaireuse permet d'établir un lien dimensionnel avec vos amis et d'emprunter leurs pouvoirs. Au fil de l'aventure, vous rencontrerez de nombreux personnages avec qui établir un lien D. Très bien. Well, et on est reparti en rêve. Anybody want to spar? I can take you.
Ah, maintenant je joue terrain. Cool. Cette jauge de HP représente votre santé. Vous êtes vaincu si vous n'avez plus de HP. Énorme. Utilisez carré pour vous défendre. Faites une glissade vers l'avant si vous appuyez sur carré tout en vous déplaçant. Non, appuyez en restant immobile pour parer. Oh, quelle parade! Du coup, ouais. Cette jauge de commande se remplit quand vos attaques touchent l'ennemi. Si vous ne frappez pas pendant quelques secondes, elle se vide petit à petit. Une fois que la jauge est remplie, vous pouvez terrasser votre adversaire avec le coup de grâce. D'accord. On va bien te faire cuire le cul. Propre. Utilisez des commandes avec triangle plutôt que des attaques normales pour remplir la jauge de commande. Ça peut vous faire changer de style de commande. Le style de commande rend vos attaques avec croix bien plus puissantes. Le style de commande que vous activez dépend des commandes utilisées pour remplir la jauge. Vous en débloquerez d'autres par la suite. Certains styles de commande sont difficiles à activer. Essayez donc toutes sortes de combinaisons de commandes. Ok. Well, that works fine if you're fighting one-on-one, but you need to know how to handle a crowd, too. Et là, je joue à quoi? Ouais, utilisez votre commande de tir visé pour frapper plusieurs ennemis à la fois. Maintenez R1 enfoncé pour afficher un grand cercle de visée. Utilisez le joystick gauche pour placer le cercle sur un ou plusieurs ennemis. Verrouiller plusieurs fois. Alors maintenant R enfoncé, appuyez sur croix pour utiliser le tir visé, il faudra pas les ennemis autant de fois que vous les avez verrouillés. Merde. De la concentration pour réaliser des tirs visés, la jauge de concentration se vide quand vous les utilisez. Ok. Ok, let's wrap this up. On va prendre Terra. Je veux tester un truc. Ok. Ok, je veux juste gagner avec eux. À quoi? Rock!
Mais non, mais tout ça touche ça. Comment ça se fait qu'il m'explose la gueule, Ventus là? Mais c'est fou. I think I need more practice. Et évidemment qu'on remet ça. Attends, je peux pas me laisser éclater la gueule comme ça par le premier truc. Gueule. Mais non! Il esquive là! J'étais pas loin de lui mettre le coup de grâce en plus, c'est dommage. Quand même. Looks like I win. Ok. On continue. Effectivement, ouais, c'est plutôt calme. You guys are ready. You're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself, and you'll find it there. Alors, le pouvoir naît dans le cœur. Au cours de vos voyages, vous pourrez chercher en vous et vous renforcer en jouant à la chasse aux commandes. Dans ce jeu, vous lancez un dé et améliorez vos commandes tout en vous déplaçant sur un plateau. Ok, vous accédez à la chasse aux commandes au niveau des points de sauvegarde ou sur la carte du monde. Vous jouez avec les commandes de votre jeu de commandes et vous pouvez obtenir de nouvelles commandes. Très bien. Oh, you don't want to lose track of stuff that's happened. Placez-vous dans le cercle de lumière et appuyez sur croix pour sauvegarder. Touchez le cercle chaîneur également tous vos HP. Cool. Exactement, ils savent pas ce qu'ils loupent. Et surtout Snake et Ushio qui sont fans du jeu. Je pense qu'ils vont, à un moment, ils vont débouler, tu vas voir. Ok. Hey, we're gonna head back. Yeah, me too. Ouais, le système de combat est pas tout à fait le même. C'est un épisode annexe, donc tous les épisodes annexes ont un système de combat un peu particulier. Together. Always. That would be the last night
we ever spent beneath the same stars. C'est Mickey. Alors on a Tori qui est passé mais qui pouvait pas rester. Celui-là c'est PSP, ouais. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Merci, putain. Ah ouais, c'est celui-là, c'est PSP. C'est Dream Drop Distance qui est sorti sur 3DS. D'ailleurs, pour ça que y a un jeu de mots. Avec Dream Drop Distance, c'est 3D. Non, je choisissais un personnage à la fois et découvrais son histoire du début à la fin. Chacun des trois personnages visitera différents lieux et rencontrera diverses personnes. Ce n'est qu'en finissant leurs trois histoires que vous saisirez toute l'ampleur du récit. Très bien. Très bien. Alors, jeune homme discipliné qui aspire à plus de puissance au combat, il emploie la force brute. Ça me plaît, ça. Ventus, garçon extraverti et curieux qui tient sa cliblade à l'envers. Il est doué pour les attaques rapides. J'aime bien aussi. Alors, Aqua, jeune femme attentionnée qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. C'est une magicienne hors pair. Eh ben, très bien. On va les faire dans l'ordre. Incarner Terra, c'est parti. On va incarner le BG. Ah bah tu vois, parfait Python. C'est les trois élus, mais un seul n'en sortira que... Il n'y en a qu'un qui est réellement élu. Today you will be examined for the mark of mastery. Voilà, il n'y en a qu'un qui l'a, le symbole de maîtrise. Stand here as candidates, but this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Pam, 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 pam. Bah ouais. Ventus, il ressemble à Roxas, qui ressemble à Sora. Ouais. Ben. Il ressemble plus à Roxas quand même. Don't worry about me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this, seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He could take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ben. Tout à fait. Enfin, je crois pas que ce soit si simple, mais ouais. Yeah.
take that! HP max augmenté, a pris impact critique. Bah, le lore, il n'a pas de sens, soyons francs. Vraiment, hein, ils ont pris trop de drogue et je pense que même il y a des trous dans le scénario et ils se disent merde, enfin, à quel moment on a validé ce truc, maintenant pour le rattraper, c'est compliqué quoi. Changez de style de commande. Si vous remplissez la jauge de commande en utilisant des commandes avec triangle, vous changerez parfois de style de commande. Ok. Le style de commande que vous activez dépend du nombre et du type de commande utilisé. Ok. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test. One I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin! Tu peux inviter un mec comme ça et te dire qu'il est gentil. C'est marqué sur sa gueule que c'est le grand méchant. And reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone. Le seum est présent du côté de Terra. There's darkness within me. So what does that matter? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. You are indeed strong. The darkness is nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Darkness cannot be destroyed. It can only be channeled. Yes. Thank you, Master. Thank you.
Mais Vanitas, je crois qu'on lui pète son masque, non, dans le 3. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Very well, then. I will send my pupils to investigate. Yes, I understand. Mais si, si, on le voit sans masque, Vanitas. Il a la même gueule que Sora, je crois. That was my dear old friend Yen Sid. As you know, he is master no more. Et non, c'est pas Riku. His counsel serves as signpost. Putain, mais suis un peu, Fabien. We wielders of the Keyblade must walk. All the more reason then for concern, for he tells me the princesses of heart are in danger. Suis un peu, franchement, le lore il est pas dur à comprendre. Also from a new threat, one that feeds on negativity, fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. As wielders of the Keyblade, you are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unversed are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone? So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed and find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go, and fulfill your duty. Yes, Master. Terra, consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know, I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. Never forget. Ne l'oublie jamais et remets tes bretelles dans le bon sens. I swear, I will not fail you again. Oh. Terra! It's okay. Grave. Le ray tracing est là, il défonce. Putain, j'avais oublié que c'était lui dans sa combi là. J'avais complètement zappé qu'il faisait ça là. Regarde ça. Ah, c'est pas dans Cyberpunk 2077 que tu vois ça, mon gars. Hein. Ok, fonctionnement et lien D. Quand un lien D est établi avec quelqu'un, vous accédez à ses commandes. Appuyez sur droite pour afficher la liste des commandes lien D. Ok, la jauge de lien D diminue tant que le lien reste établi. Une fois que cette jauge est vide, le lien D est brisé. Établir un lien D régénère tous vos PV. Remplissez de nouveau la jauge en récupérant des cristaux de lien D.
entre des ennemis lorsqu'un lien dé est établi pour faire parfois abandonner les symboles. Récupérer ces symboles pour améliorer le lien dé établi. Ok. Entrée de départ, chasse aux commandes débloquées. Et c'est petit pas. J'arrive tout de suite, je vous abandonne quelques minutes. Un petit truc IRL à faire, à tout de suite. Thank you.
généreux. Désolé, ça a pris un peu de temps. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir se concentrer. Alors. Là, on peut pas. En fait, c'est pas comme si on avait le choix. Domaine enchanté, let's go. C'est peut-être la Belle au Bois Dormant, ouais. Monsters. The ones that ah, ben voilà. These are the unburst. Cette musique est dans Melody of Memory. Bam. Stylé. Voilà, ça c'est fait. Ouais, on commence par les Nessians plutôt que les sans cœur. No you don't. Une potion. Alors moi mon réflexe c'est toujours d'aller en arrière. Qu'on se le dise. Ça marche bien. Que bien. Ok. On a bien fait de revenir en arrière. Cristal vibrant. Les fameux objets de Kingdom Hearts. Qui m'ont rendu ouf à farmer dans le 3. On peut pas monter ? Non. Ah bah je pense que Fabien là, le petit Ebi va aller dormir, ouais.
Glacier. Alors, on va voir un truc. Dans les commandes, capacité auto-obtenue. Coup éclair rapide à atteindre le niveau maximum, vous pouvez conserver sa capacité scan. Ok. Ça, on l'a déjà eu, non? Qu'on puisse pas en rajouter. C'est pas que propre à Twitch lurker, mais c'est très utilisé dans Twitch, ouais. Le lurk, c'est juste genre t'es présent mais t'es pas actif, quoi. Tu lurk. J'ai du mal à capter, hein. J'ai l'impression que pour l'instant c'est pas possible. Il se complète de quoi? C'est les commandes, ça? Ok. Coup de grâce. Je comprends rien. Ok. Le scan, il est activé, on est content. Ça, c'est les liens. S'active lorsque vous utilisez une attaque comme coup d'éclair rapide. C'est pas celui que je viens de virer? Rapport. Ok, ça on sent. Ah! Ok, il va sûrement tout falloir trouver. Trésor. Ok. Très bien. J'ai reçu un stickers. Je vais sauvegarder. Ouais. On va être en tête à tête. Écoute, c'est pas... On le dira pas à Snake. Promis, on le dira pas à Snake. Tu lui as défoncé sa mère. T'inquiète, je serai muet comme une carte. Muet comme une tombe. Enchanted Dominion.
Du coup, c'est quoi le but? C'est une très bonne question. En gros, on est envoyé en mode enquêteur parce que Maître Yen Sid... Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent, as all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Hmm. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Well, they are base. That's for sure. Anyway, I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Thanks. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Effectivement, elle est toujours là. Mais c'est cool. Want some? Freeze! Le système de combat est pas mal. En vrai, change pas trop de... Change pas trop de ce qu'on connaît. Freeze! Ok. J'aime bien. Et une potion. Ok. Les décors sont un peu vides. Hein. On va pas se mentir. On sent que ça vient de la PSP. Hein. Gravité nulle. Oh, d'où ? Ok, va falloir être... Va falloir faire un peu gaffe, là. J'y suis allé en mode un peu YOLO, mais... Va peut-être falloir être un peu plus réactif sur les parades.
Je pensais que c'était pas si... Je pensais pas que c'était si punitif, donc tant mieux. Hein. Comment on récupère le stickers là-haut? Ok, un éther. Par contre, ça a dépop tous les strums? Non. Take that! Ah, le petit coup gratos dans le dos là. Non, mais non. Ok. Récupérez les stickers disséminés dans chaque monde. Vous pourrez ensuite coller dans votre album de stickers dans la section rapport pour gagner des points. Vous recevrez des objets si vous avez... Ok. Très bien. Non, moi je voudrais prendre une... Je voudrais prendre une potion, comment on fait? Comment on fait pour se soigner? Putain, faut laisser la place. C'est chaud, hein? Ouais, faut vraiment être au taquet, quoi. Sérieux? Ok, il faut être vraiment plus vif sur les esquives. Et arrêter de se tromper de bouton aussi. J'ai gagné un level. Terre.
This feels so familiar. Her heart is filled with light. Not the slightest touch of darkness. Just the kind of heart I need. For what? La flemmarde. Imagine with me the most glorious of futures. Seven of the purest hearts, each overflowing with light. When brought together, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember, the darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. Here it is. Just what I've waited for. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did I... Il n'y a pas de souci, Python. What did I do? Merci d'être passé. Merci d'être resté. Et puis repose-toi bien. À plus. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Finn! Yes, now you want to know where Xehanort went. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect six more hearts of pure light. Merci. Then we will rule all the worlds together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? They're gonna bring down the castle. I have to do something. Allez, on va péter la gueule des nations. Hum.
carte. C'est pas si mal. Mais tout ça, je l'ai déjà. Allez, on va sauvegarder. Salut Chomax. Ça roule. Attaque. Liste de recettes indiquant ce que vous allez créer si, suite au mixage de commandes, vous obtenez une commande d'attaque. D'accord. D'accord. On peut se casser là, c'est ça l'idée ? C'est le boss. Yeah.
Aïe. Mais oui, évidemment qu'on va essayer. Avec la bonne musique de rêve partie là. Dans le château de la Belle au Bois Dormant, c'est. Lâche-moi. Ok, je veux trop y aller. Je veux trop y aller en bourrin, là, c'est pas possible. Putain, mais je l'ai pas touché. Ah, c'est clair que je l'ai pas touché. Là non plus. Magnifique. Ok, très bien, j'ai TP sur lui, parfait. Lâche-moi. Mais non. Putain, en fait, ça me lance sur lui. Ok, on va pas faire ça comme ça. J'ai pas encore le système de combat bien en main. Ah.
Ah mais je lui ai rien fait en fait. Allez. Eh ben, commence bien ce jeu. Ah, parfait. Et puis en plus j'ai des problèmes de connexion, donc c'est fantastique. Désolé pour l'interruption. Deux petites secondes. Je suis en train de me faire ratatiner la tronche. Tac tac tac. J'arrive. Hein. Faut que je reprenne la capture. Pas du tout ça. Hop. Sur un stream de pro, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Reprenons. Bah, on peut recommencer. Non, je peux pas. On va se laisser buter. Voilà. Pour refaire un vrai try. Ouais, c'est le petit effet Bonaldi, le classique. En ce moment, c'est pénible. La connexion est pas forcément au top. Ça lui fait que dalle. Salut Emily. T'arrives un peu tard. Bon, t'arrives quand t'arrives, y a pas de souci. T'arrives un peu tard pour voir le début, oui, mais c'est pas très grave.
effectivement, tout le monde DL cyberpunk en ce moment. Ok, on la refait. Moins crispé. Ok, ça lui a fait un truc, mais quasiment rien. Par contre, lui, il me met des tartes. Ça lui fait que dalle. Ah, ça rend ouf. Allez, mets-lui tout ce que t'as là. Ok, pas mal. Allez, yes. Ah, il est pas fini. Allez, allez. Parfait. Et voilà. Contenance. Putain, enfin. On va avoir des... pouvoir mettre potions dans notre... It's my fault her light was stolen. Dans nos actions. It was because I was weak. I'm sorry. I'll get your light back. Once I learn to stand up against the darkness. Why would Master Xehanort imprison the light? The purest hearts of light. Merci. Do they hold the answer? Seven pure hearts, each completely void of darkness. Such a search may take some time. Reçu astre féerique. Elle est dégueulasse cette Keyblade. Procure un bonus équilibré de force et de magie. Ah, il n'y a pas de souci, Emily. C'est un action RPG. Et donc là, l'idée, c'est que Kingdom Hearts, en fait, c'est un mélange entre les jeux Square Enix, donc ceux qui font Final Fantasy, et Disney. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve envoyé dans les mondes des princesses de Disney. Enfin, pas d'ailleurs, pas que les princesses, mais dans les mondes des dessins animés de Disney. Là, c'était La Belle au Bois Dormant. Et il y a un scénario là-dedans. Donc là, en gros, on a été envoyé pour enquêter par rapport à la disparition des princesses de cœur, les 7 princesses de cœur, et donc c'est des princesses Disney. Voilà. Voilà à peu près où on en est. Donc, on a débloqué des mondes. On peut aller à l'arène des mirages, je ne sais pas ce que c'est. Le palais des rêves. La forêt des nains. On va aller à la forêt des nains, ça me parle ça. De combat 3 2 on va peut-être pas aller à la forêt des nains en fait. On va aller plutôt au palais des rêves, donc le monde de Cendrillon pour le coup. No.
Is something wrong? It's just that my friends made me the most beautiful dress, but my stepmother and stepsisters ruined it, and I was so looking forward to the ball. Darkness always finds a way into a wounded heart. You have to be strong. Strength of heart will carry you through the hardest of trials. But I... Unversed! Ok, donc on va défoncer les Nessians. Je peux pas changer, ok. Belle esquive. Propre. Freeze. So long. Oh, joli. Putain, il faut que je me réhabitue aux commandes. C'est rare que dans un jeu, croix, ça soit tapé. Rond, sauter. Et triangle pour activer un truc. Après je me suis emballé aussi, hein. On s'est mis en expert. Ouais, je le fais en hard. Strength of heart is important, but that's not all you need. Huh? There's nothing left to believe in. Nothing. Nothing, my dear. Oh, now, you don't really mean that. Oh, but I do. It's just no use. Nonsense. If you'd lost all your faith, I couldn't be here. And here I am. Oh, come now. Dry those tears. You can't go to the ball looking like that. The ball? Oh, but I'm not. Merci, Emily. Merci d'être passé. Bonne nuit. But we'll have to hurry. Now, what were those magic words? Oh, yes. Petite musique Disney ou quoi? Bibbidi bobbidi boo! Oh, it's a beautiful dress. Huh? Why, it's a dream come true. Yes, but like all dreams, I'm afraid this can't last forever.
you'll have only till midnight, and then on the stroke of 12, the spell will be broken, and everything will be as it was before. Et tu redeviendras une souillon. Yes, I understand. On dirait qu'elle a pris des tasses, la fée, là. Elle a des yeux de droguée, quoi. Ok, on est au palais des rêves. Her heart was full of light. Why didn't I see it? What did you do? I can hardly tell she's the same person. Who are you? Regarde. Tara. Tara, in your heart, do you believe that dreams can come true? I do. But I also believe you have to make an effort to make them come true. Yes, of course. Bien sûr. Si tu prends de l'ecstasy, tous tes rêves se réalisent. Cinderella believes her dreams can come true. I wanted her to see that she is right. So that's what made her shine. Faith in her heart that anything is possible. Where did she go? To the royal ball at the palace. Go, and when you see her dancing, you'll know that she believes, and that will help you to believe too. Il y aurait pas un petit coffre par hasard? Inventaire. On perd un tout petit peu en attaque. Par contre, on gagne quand même bien en magie. Hein. Vas-y, on va la mettre. Et en plus, on aura un style tout à fait particulier. Alors, on peut rajouter potion. Je pense que c'est bien, potion. On les a maxés tous. Cool. Endormez les ennemis aux alentours. On va mettre gravité nulle. Le héros est pas forcément hyper charismatique. C'est pas le plus charismatique des trois. Hein. À quoi elle est charismatique? Salut Snake, comment tu vas? Taillade électrique, une attaque sautée qui choque certains ennemis. Bah écoute, ça roule. Je vais peut-être mettre Morphée. Est-ce que je peux mixer des trucs là? Ah, ça y est, je peux commencer à mixer des trucs. Si je fais ça avec ça, ça va donner Disco Bolos. Pour les bolos. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Et ça fera une taille gelante. Bah écoute, ça roule, ça roule. On est en train de se casser la tête sur un Burst by Sleep. Je t'avoue que c'est pas forcément évident au premier abord. Si je mets Glacier, ça va donner... Putain, je comprends rien. Je comprends que dalle. J'arrive tout de suite. J'en ai pour deux secondes. Thank you.
T'as loupé Python, Snake. Alors, tu m'as dit quoi? On appuie sur triangle. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Tu me confirmes que le mixage, c'est... Le mixage, c'est hyper fort. Il faut absolument qu'on le fasse. Ouais, tu confirmes. On est d'accord. Ouais, c'est ici, ouais. Mais même dès le début, c'est très fort. Disco Bolos, c'est le truc de Ventus. Ventus, il l'a de base, Disco Bolos. C'est un truc... Ça fait assez mal. Je suis assez d'accord. Taille gelante. Ça a l'air bien. Et ça va me faire perdre glacier, par contre. Enfin, tu me diras, je peux les racheter. Très bien. C'est en mixage avec moi, j'ajoute des capacités augmentant les dégâts dus au feu et autres éléments. Donc ça c'est de la merde. Ah, autres éléments, si. C'est pas mal. Par exemple, les dégâts infligés par certains types d'attaques. C'est en mixage, ajoute des capacités liées au HP. L'une d'elles augmente par exemple vos HP max, d'accord. C'est en mixage de commande, ajoute des capacités augmentant les sphères de HP sur le terrain et facilitant leur accès. Le mieux c'est le cristal chatoyant, j'ai l'impression. Soit chatoyant, soit vibrant. Je sais pas, on va essayer ça. Hein. Mixer ses commandes. Taille gelante, pétale de garde. Ok, je peux plus rien mixer, hein, c'est ça? C'est ça. Donc. Est-ce que ma taille gelante, c'est cool? Entourez-vous de glace et frappez l'ennemi avec une attaque sautée. Des pics de glace surgissent ensuite du sol. Ok, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et pétales de garde, ça fait quoi? Pétale garde. On peut le voir dans... Capacité. Pétale garde. Vous évitez de subir des dégâts lorsque vous utilisez les commandes soins. Ok. Très bien. Ça a l'air cool. Sauf que j'ai pas soin encore, mais ça a l'air cool. Putain, dégueulasse cette Keyblade. Eh hey, oh, on se détend là. Ta 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 ta.
Un stickers. Ouais, t'étais. T'étais pas là. Snake tout à l'heure. Quand je disais que. Je me suis fait le platine de Melody of Memory. Merci. Donc au final, voilà, hein, Melody of Memory, jeu à faire. Pas forcément à acheter en neuf, mais vraiment à faire. Les musiques sont très cool, le jeu est très cool, et le platine n'est pas si compliqué que ça. Faut farmer un peu le jeu, mais voilà, c'est plaisant. Répondre à Showmax, effectivement, c'est pas le héros le plus charismatique du monde. Bon, après, il a un peu le seum, étant donné qu'il a perdu face à Aqua. Somme, hein. Okay. Ouais, je trouve pas que ce soit le plus charismatique. En fait, il a la classe et il est charismatique dans le design du personnage, mais par contre dans les actions il est un peu tout mou, quoi. Il se pose un peu trop de questions, je trouve. Je trouve que Aqua par exemple est un peu plus charismatique que Terra. Ventus aussi, mais Ventus c'est pas tout à fait la même chose. Ventus, c'est un chien fou, quoi. Quoi ? Putain, la caméra, par contre... Hein. La caméra, c'est pas ça. Hein. Là, on sent qu'on est revenu à l'époque de la... On est revenu à l'époque de la PSP, quoi. En termes de caméra, je parle. La carte, cool. Thank you.
Not here too. Alors que Cendrillon va se faire bolos par des Nessians. I've met you before. I'll take care of them. You wait right here. Please, may I go with you? I so want to get to the ball. All right. But stay behind me, or you'll get hurt. You're not worried? Didn't you tell me it was important to stay strong? Oh. I guess I did. So, you ready? Yes. Oh là là. Toutes les musiques étaient dans... Toutes les musiques étaient dans Melody of Memory. Ok, force augmentée. Putain, mais même le système de lock est dégueu. Hein. Please help! Make it stop! Déboîter. Elle a pris tarif la pauvre. Coffre.
Absolument pas. Gravité, c'est pas mal quand même. Gravité, ça a l'air de vraiment faire le café. Quoi. Obtenu contre puissant. Contre après avoir paré. Utilisez les contres pour riposter après une parade réussie. Après avoir paré une attaque, appuyez sur croix pour riposter. Placez la commande de contre sous une commande de parade. Oh, thank you, Terra. Thank you, Terra. Maybe just believing is enough. But who is she, Mother? Do we know her? Well, the prince certainly seems to. I've never seen her before. Nor I. But she certainly is. Wait. There is something familiar about her. Unversed. Tell me, how do I get up there? There is a passage beneath the foyer staircase. Thanks. Alors. Étourdissante, ça a l'air pété, ça, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut tout mixer. Hein. CDG. Alors attends, c'est quoi booster CDG? Ah, mais ce qui est bien, c'est que ça me laisse un nouveau slot pour mettre un truc. Travaillez autour de la cible que vous avez verrouillée. Est-ce que l'objet est resté sur place? Okay.
ça c'est quoi donc? Augmente les dégâts infligés par votre coup de grâce. Ça a la capacité plusieurs fois pour infliger encore plus de dégâts. D'accord. Oui, oui, c'est des coups de grâce, ok. Et donc ça, une fois qu'on a fini de les apprendre, les trucs à droite, ils restent à vie. Si je dis pas de bêtises. Elle a des bons sorts, elle. Ok, donc c'est pour ça que dans tous les cas, le mieux c'est de mixer et de voir ce que ça donne après. S'active de type glacier. Ça, je comprends rien là. Et ok. Ce truc pour enfants là. What the fuck? On est vraiment en train de streamer ça là. On va mettre ça là. 14 points. Ça donne des objets, donc il faut quand même le faire, c'est intéressant de le faire. Ok. Par perso, c'est ça? Après quoi. Bah tiens, est-ce que ce serait pas le retour du Python? N'arrive pas à dormir, Python? T'as senti la présence de Snake et tu t'es dit qu'il fallait que tu reviennes. J'ai chopé Disco Bolos. Bolos.
Ça marche, Python. Bon, et les trucs, les bordels là-haut, là. Ça tabasse un peu quand même, ça. Hop, fais dodo. Ouais, c'était efficace. So long. Want some? Ok. Si, j'ai l'impression d'être plus fort, hein. Ok, c'est cool. Les gars. Mais casse-toi, sale tambour à la con là. Yeah!
ça dégage. HP max augmenté, compense du JDC accru. Parfait. Thank you. You saved us all. The guests were just starting to enjoy themselves. Well, don't give up just yet. Oh! Tell me something. Have you always had a problem around here with those monsters? No. I believe they began to appear shortly after a boy in a mask arrived in our kingdom. Those that saw him said the monsters obeyed his every command. A boy in a mask? Do you know where he is now? Well, no. I don't believe anyone has seen him since then. I see. Oh, my goodness. It's midnight. Yes, so it is. But why? Goodbye. Wait, come back. Please come back. I'm sorry. Non, je suis dans le monde de Cendrillon. La Belle au Bois Dormant, j'ai fini. J'ai buté le boss, je me suis barré. Mademoiselle! Señorita! Wait! Aqua! Terra! Terra, Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Non, les mondes, ils sont rapides. Actually, j'ai l'impression qu'il y a que just before I left, he tried to tell me something. 4-5 le 4-5 écrans. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Xehanort? No. But it seems he's looking for pure hearts, filled with light. Pure hearts? Filled with light? All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. Mm. If you see her, give her my thanks. Will do. The boy in the mask who is leading the Unversed. Who is he? Does he have anything to do with Master Xehanort's disappearance? Non, c'est son copain. Lien D établi avec Cendrillon. Ah ouais, courage Python. Courage. D'assener des coups critiques plus facilement. Intéressant. Yes, bonne soirée Python, à demain. Demain ce sera Ibi qui streamera du cyberpunk normalement. Chasse aux commandes débloquées dans le palais des rêves. Alors, il manque des trésors, ça j'aime pas. Allez, bonne nuit Python. Retourner parce que j'aimerais avoir tous les trésors. Yeah.
mais tout le monde ça. Cette chanson. Capacité auto obtenue. Taille gelante a atteint un niveau maximum. Vous pouvez conserver sa capacité pétale garde. Parfait. Comment ça? On peut rien mélanger. Je peux plus mélanger. Comment je fais? Je suis addict maintenant. Je suis addict au mélange, au mixage. Ah, il y a soin. Putain, soin, c'est le feu, ça, non? Mais non, mais c'est vrai, je suis grave addict. En fait, soin, c'est même mieux que... C'est mieux que potion, je pense. Disco Bolos. Attends, j'ai des glitches. Hop. Voilà. J'ai potion plus. Ah oui, c'était ça que je voulais voir aussi. Objet, équipé. Magie est moins forte. Mais je fais des critiques. Je pense que c'est mieux parce que lui, il est plutôt orienté dégâts physiques. On est d'accord qu'à un moment on pourra voler dans le jeu, comme dans n'importe quel Kingdom Hearts. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des stickers que je peux pas récupérer. Ils sont trop hauts. Rien. Tu fais bien de pas me spoil. Je sais que je pose plein de questions, mais...
Want some? J'apprenne à faire des contres. Je calme tout le monde là. Faire chier pour rien. Peut-être trop tôt pour faire la chasse au... La chasse au trésor. Putain, Morphée c'est fort aussi. Take that! Say goodbye! Des sorts sans avoir à consommer des points de magie. Et le cooldown a l'air d'être le même que une capacité standard. Je trouve ça méga fort. Peut-être même trop. Il manque 3 coffres. C'est fort, c'est très très fort. Putain, le Morphée là en zone. Wow. Take that. En fait,
effectivement, dès que t'as les bonnes commandes, ça devient... ça devient une partie de plaisir, quoi. Là, on l'a pris. Oh, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas pu visiter parce que... Genre là... On s'est fait kick par le boss direct. Les levels en plus. Ouais, j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte. C'est cool, hein. C'est cool. C'est pas le gameplay. C'est pas le gameplay de cache standard, mais c'est pas si éloigné que ça en fait. J'aime bien le style standard parce que je suis habitué au style standard. Non, je sais pas en fait ce que je préfère pour le moment. C'est pas mal, hein, le système, mais j'ai peur que ce soit trop facile. Je peux pas juger, je viens de commencer le jeu, là je roule sur les combats. Alors que au tout début du jeu, je me faisais éclater la gueule. Le premier boss, je l'ai refait 5 fois, 6 fois. C'est pas si simple, mais je sais pas, j'ai l'impression que jouer sans barre de mana, c'est juste avec des cooldowns. Tu dois pouvoir cruger et cheater. Enfin, cheater. Cheater, c'est pas le bon terme, mais j'ai fait un contre.
de pouvoir faire des builds un peu pétés, quoi. J'ai pris expert. Je me suis dit que j'avais fait Kingdom Hearts 3 en hard, donc il n'y avait pas de raison que ça passe pas. Et... Tu crois que j'y vais? Ou c'est trop chaud? Take that. Heal. Take that. Non, c'est pas ça que je veux faire. Par contre, je me trompe énormément de boutons. Je te le dis. Want some? Take that. Oh, c'est chaud. Dommage. Ah, j'étais pas loin là. Attends, je vais réessayer. Je suis sûr que je peux faire les 3 étoiles. Take that. Sérieux? Non. Fuck. Putain, j'ai bouletisé sur la fin là. On reteste. Désolé. Here.
Oh, sérieux. Ça réussit, non? Pas du tout. Eh ben... très bien. Très bien. Trop chaud. Ok, mais ça m'a pas donné le dernier coffre. Want some? Heal. Want some? Chasse au commandant. Comment on fait pour... Ah non, mais pour partir, il faut aller sur un point de sauvegarde, je crois. Point de sauvegarde qui disparaît. Gagne énormément de niveaux. Ok. Alors, c'est quoi la chasse au... aux commandes. Alors, bienvenue à la chasse aux commandes. Vous devez lancer le dé et vous déplacer sur les cases pour gagner des points de jeu. Pour gagner, repasser par la case de départ en premier avec le nombre de points de jeu. C'est une nouvelle partie, un plateau, puis les PJ à atteindre. D'avoir bien capté. Hein. Super.
c'est au tour de jouer, je vais utiliser une action. Regardez en bas à droite pour voir où vous en êtes. Ouais. Ça, c'est en vue libre. Alors, de passer le curseur sur le plateau. Pivoter la caméra, passer en vue dessus, appuyer sur croix pour afficher l'information de case. D'abord, je vais hésiter à jeter. Vous déplacerez du nombre obtenu avec le dé. Aux intersections, utilisez la croix et appuyez sur croix pour choisir la direction où vous allez. All right. Je suis pas sûr de bien capter. Certaines commandes sont placées sur le plateau dès le début. Tombez sur l'une de ces cases bonus pour obtenir une commande en échange de PJ. There we go. Case bonus obtenue. Ready? Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Hein. Nice. Puis retourner à la case départ pour gagner d'autres PJ bonus et remplir votre stock de cartes commandes. Bonus change. Tu es case émotionnelle. Alors il y a quoi par là? Il y a la case verte, on va aller à gauche. Je vais reprendre une commande. Le symbole change selon les types de commandes. Dépenser des PJ pour y placer une commande. Quand l'adversaire tombe sur l'une de ces cases, il vous paie le PH. Les commandes placées sur le plateau sont améliorées en fin de partie selon la valeur de votre position. Ok, chaque joueur dispose d'une réserve et d'un cumul. Dépensez les PJ dans votre réserve, le cumul correspond à la réserve, plus la valeur de vos cases. Le niveau de cumul doit être égal ou supérieur au PJ à atteindre. Putain, je comprends rien du tout. C'est à moi. Je sais pas. All right. Je piche que dalle. Hein. Vraiment. Pas clair. Nice.
Monopoly. Mario Party. That's the way. Et sans les mini-jeux. There we go. J'ai reçu une carte de commande. Orage, ça a l'air cool. Ça. All right. Sur une case de dégâts, le cube de récompense pour soutien des PJ. Sur le cube de récompense pour éviter les pertes, ok. Et le cube, avec le nombre de fois indiqué, j'ai bonus. Ok. There we go. Ouais, c'est un peu... c'est pas clair. Et je suis premier, c'est cool. Ok. Vas-y, je m'en fous, hein. Je vais bourrer. Yeah. I'll catch up. Shit. Aller faire le tour dans l'autre sens, chier. Nice. Elle fait comme moi. Faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. How you like this?
PNJ pour améliorer une case. Si on monte le péage, API a un flux sur l'amélioration de la commande en elle-même. L'amélioration est l'une de vos cases si vous tombez sur la case de départ ou sur une borne. Sur l'une de vos cases, vous pouvez également l'améliorer. Pas gagné là. All right. Fallait pas aller juste à 5000 points. Des trucs au pif. Fait un. Pas du tout. Nice. That's the way. Ah, parfait. Je viens de le fumer, lui. Comme un saumon. There. Passe.
faire que lui donner les PJ. Ça vaut 1300. Je sais pas, oui. J'ai pas compris. Elle est passée bien devant moi. Nice! Ok. Nice. Donner 2000. Snake, je comprends rien. Planner Keyblade. Ok. À quel moment ça s'arrête? There we go. Compris de ce qui s'est passé, mais j'ai gagné.
c'est bien ça le principal. J'ai rien, mais rien compris. Oh, c'était mystique. Bon, j'ai chopé tous mes trésors, c'est le principal. Capacité auto débloquée, booster de... Ok. Ouais, ça j'ai compris que j'ai chopé des nouvelles commandes. Et qu'en plus de ça, elles sont montées directement en niveau max. Genre ça là, une attaque sautée qui empoisonne certains ennemis. Exemplaires. Là, je vais mixer, c'est obligé. Ok. Mettons. Taille gelante avec glacier. Ça donne une nouvelle commande, mais on sait pas quoi. Frappe enflammée, c'est marrant ça. Putain, je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Mon brasier là, ça m'emmerde de le perdre. Ça par contre on peut le faire hein. Taille gelante avec un glacier, on n'est plus à ça près. Et là qu'est-ce qu'on peut lui foutre? Dégâts dus au feu et autres éléments. Serre au mixage de commandes, ajoute des capacités réduisant le temps de recharge de vos commandes, ça c'est fort ça. Aussi ça. Les HP max, les sphères de HP. Le temps de recharge. Ça, ça donne quoi? Je viens d'avoir Glacier Plus. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Les trucs quand même, mais ok. Réduire la charge de toutes les commandes d'attaque de votre jeu. Ça c'est bien ça. Booster. Ouais. Scan et pétale de garde, ok.
plaît. Ça me plaît bien, ça. Morphée, on va le garder parce que c'est fort. Ficelage, on s'en fout un peu. Bien envie de tester la frappe enflammée avec écran de foudre. Écran de foudre, je sais pas ce que ça donne. J'imagine que ça réduit les dommages de foudre. Augmente votre résistance à l'attaque de type foudre. Ok. Et ben cool. On va s'arrêter là par contre. Il est minuit et demi. On sauvegarde une dernière fois. C'est le Monopoly qui m'a mis dedans. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Merci Snake de m'avoir accompagné. Et essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce jeu. La suite bientôt. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. J'ai très envie de le continuer, le jeu. Je te le dis direct. En tout cas, merci d'avoir suivi le live et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne nuit, Snake. Ciao.